Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne NZG de la Béja. Aujourd'hui, nous allons faire une découverte d'un nouveau groupe que JYP a construit. Je sais pas si vous vous en souvenez, que j'ai déjà sûrement en parlé durant mes vidéos sur les Twice ou quelque chose comme ça. Bref, il est en train de faire un groupe japonais. Après, je sais pas s'ils vont chanter en anglais, en coréen ou je ne sais quoi. Qu'il a fait ça durant le confinement, je sais plus quand c'était. Je sais plus. Elles sont toutes jeunes, c'est tout frais, tout frais. Et je pensais bien qu'elles allaient sortir un MV, que moi j'ai un peu suivi leur parcours. Bien sûr, je les connais pas tous, etc. J'avais pas le temps. Hein. Et ça s'appelle les. Je sais pas si je vais dire juste. Nidhiu. Nidhiu. En tout cas, nous allons voir les Nidhiu Make You Happy. Elles sont 9, donc est-ce qu'elles seront les prochaines Twice qui vont remplacer les Twice? Never, never, never. C'est parti, go! Alors c'est bien japonais. Ah bah voilà, JYP. C'est lui, si jamais. Ah! Elle doit être une autre nationalité, elle. J'aime bien là, j'aime bien ce cadre. J'aime beaucoup ce cadre. Ok. Ah wesh. Bah okay. Hey, j'avais vu dans ce parcours. C'est leur petite sœur, c'est vraiment les vraies petites sœurs Twice en mode japonaise. Alors que tous les mouvements, j'ai reconnu certains mouvements qu'ils ont déjà fait dans les clips de Twice. C'est Twice 2. Mais par contre, bon là c'est très enfantin parce qu'elles sont toutes jeunes et tout, elles sont tout fraîches et tout. Non mais ça pourrait être un bon groupe. Après, c'est à voir leur évolution, comment ça va être, etc. Est-ce que vraiment
Est-ce que JYP veut vraiment essayer de faire un deuxième groupe de Twice? Ou est-ce que ce sera un autre groupe, mais totalement, mais à part? Non, jamais les Twice, ça va. Jamais elles vont déplacer les Twice. Okay. En tout cas, ça m'a plu. On va voir si je la mets sur ma playlist, on verra comment. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. La vidéo est terminée, oui, malheureusement. En tout cas, merci beaucoup, bye bye.